Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism, on se retrouve pour une nouvelle série qui, j'espère, durera assez longtemps. Et donc, vous avez vu le titre, on va faire un mode carrière sur FIFA 23 avec Taro Misaki, donc personnage de Captain Tsubasa, et qui joue au PSG, enfin, qui officiellement dans le canon ne joue pas au Paris Saint-Germain, mais ça ne sera tardé, hein. Je veux dire, je suis sûr qu'après Rising Sun, il va rejoindre le PSG, ça fait des années qu'on lui dit oui, Misaki va au PSG et que c'est une légende urbaine que les gens continuent de croire, donc c'est évident qu'il va y finir. Bref, et d'ailleurs dans Next Dream, hein, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins ils ont pas fait le délire de mettre Misaki autre part qu'au PSG. Bref, du coup, pourquoi je commence cette série maintenant? Parce que j'ai trouvé FIFA 23 9 sur Switch il y a pas longtemps, du coup je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour commencer. Donc là, dans cette vidéo, hein, on va pas faire de match, etc. Le but ça va être de... le but, hein, là c'est vraiment de vous présenter le truc, enfin la série. Et à partir de demain, ça commencera avec un épisode par semaine le lundi, hein, puisque je vais regarder la vidéo du dimanche au cas où il y a des rediffs de live. Et sinon, ça sera des one-shots sur mon capable. Si vous inquiétez pas, cette série Carrière de Misaki ne va pas. Enfin, il y aura juste un one-shot de moins par semaine. Enfin, une vidéo tuto sur mon de moins par semaine. Je pense que vous pouvez survivre sans. Donc là, j'ai créé Misaki avec 82 de général. Histoire de pas, voilà, qu'il soit pas trop fort non plus. Je pense qu'il mérite plus, mais le but c'est pas d'en faire un joueur surpuissant dès le début. Donc au Paris Saint-Germain actuellement. Alors, officiellement au poste de meneur, au poste de milieu offensif, mais voilà, hein, parce qu'il n'y avait pas milieu central, hein, puisque là il va plutôt jouer milieu central dans ce Paris Saint-Germain. Et du coup, voilà, on va faire des matchs, on va voir si Misaki réussit à s'imposer dans cette équipe. Les petits détails, du coup, je joue en semi-pro parce que moi je ne suis pas bon à FIFA. Enfin, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à FIFA. Mon dernier FIFA c'était le 20, donc c'était il y a 4 ans quand même. Du coup, je suis plus du tout. Je suis complètement rouillé, donc je me suis mis en mode semi-pro. Puisque je me suis dit, bon, voilà, on va commencer standard. Si je vois que je galère trop, je passerai en amateur. Si je vois que je roule sur le jeu, je passerai en pro. Voilà, mais le but c'est que ça reste agréable à regarder, que Misaki ne roule pas sur la carrière, mais qu'il ne soit pas non plus en train de chier non-stop contre des équipes bas de tableau en Ligue 1 par exemple. Bref, sinon du coup, le reste des détails. Les matchs ça durera 4 minutes la période pour pas que ça soit trop long. Pour la monnaie, bon ça c'est pas très important mais ça sera en euros. Et il y aura les compétitions européennes et le mercato dès la première saison. Donc là en plus je vois qu'apparemment ça va bientôt être la compétition de pré-saison, donc on va commencer contre l'Atlético Madrid. Ah oui, et pendant que j'y pense, ça sera juste Misaki au PSG. Il n'y aura pas les autres joueurs, il n'y aura pas Rochado, il n'y aura pas Hidalgo. Techniquement, il y aura Mbappé et Reymar, techniquement, même si là, du coup, ça me choque pas, vu que c'est le vrai FIFA de maintenant. Bref, du coup, bah, on verra bien ce que ça donne, juste je pense que ça peut être une série très sympa, et j'espère que ça vous plaira. Du coup, je vais enregistrer sans doute pas mal de vidéos de vues de gameplay à la suite, donc je pourrais pas avoir vos retours immédiatement après, mais voilà, on verra. Je pense quand même que ça peut être très cool. Bon, mon Misaki ne ressemble à rien, là, je pense que c'est super dur de créer un truc fidèle physiquement. Donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour, je vois que je suis beaucoup moins à l'aise sur FIFA que sur Ron, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Et du coup, on se retrouvera dès demain pour, je pense, on va faire peut-être un petit entraînement pour améliorer nos attributs. Et après, on commencera la tournée de pré-saison avec le petit Misaki. Voilà, d'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.